Comment ça va? T'as plus la casquette là. Non. Moi, la question que j'ai envie de te poser, en fait, c'est quelle était, par exemple, la meilleure expérience durant tes premières années en 92-93 où tu as eu, alors pas City Games, parce que City Games, c'est un arrière-goût de paradis. C'était 93 pour moi. Pas 92. En 93, en fait, le kiff que tu as eu, en fait, en ayant cette nouvelle boutique, et puis comment tu voyais le futur, en fait? C'est-à-dire, est-ce que tu te disais, là c'est parti, c'est bon, je sais comment faire après mon échec, et je sais que ça va fonctionner. Alors mon échec, ça a été quand j'ai commencé à ouvrir City Games en 93, en septembre 93 au 4 rue Campagne Première, Montparnasse. Donc, pareil, 14e. Alors, quand je commence au verre, je me suis dit, ça y est, c'est génial, j'ai enfin ma boutique, je vais pouvoir être dans le monde du jeu vidéo comme il se doit, en tant que patron. Et je vais vraiment commencer à bouger de ça. Alors, bien sûr, j'étais patron, vendeur et je faisais tout. J'avais un seul employé, c'était David Sohero. Ouais. Et donc, je faisais un petit peu de tout. La grosse désillusion. J'ai commencé à ouvrir, pas beaucoup de personnes. Heureusement, après, j'ai commencé à faire de la publicité sur Console Plus et tout ça. Ouais. Et là, j'ai eu du monde. C'est vrai, j'ai un petit peu de monde qui est arrivé, mais j'ai fait la grosse erreur. Ouais. La grosse erreur où je me suis dit, je veux que des tops dans le magasin. Ah, des tops. Que des jeux tops. Ouais. Ah ouais, des tops jeux. Et j'ai pas pris, on va dire, ce qu'on appelait à l'époque des jeux de merde et qu'on appelle toujours aujourd'hui des jeux de merde. J'ai pas pris ça. Et donc, j'ai pris que des top jeux. Mmh. Conclusion, quand les personnes arrivaient et que j'achetais pas leurs jeux, faut voir que c'est en 93, hein, c'était pas encore. Et donc, j'achetais pas les jeux, bien sûr, petit à petit, les personnes ont commencé à ne plus venir. Ah. Et après, ça a commencé vraiment à couler. Et en avril, en mars-avril, j'ai revendu. Et j'ai revendu le magasin à une personne qui était à Sto Games République, qui l'a récupéré, c'est JP, Jean-Pierre Simoneau, et qui a récupéré le magasin. Et lui, il a bien marché. Il a mis plein de jeux, et il a bien marché. Je me suis dit, merde. Alors, je me sentais vraiment le loser, quoi. Je me suis dit, merde, il y a un truc que j'ai pas bien fait, là. Il y a un truc qui était pas bon, là. Et donc, j'ai été vendeur aux 3 rues d'Arras avec Stéphane, qui était mon ancien associé de José aussi, et qui s'était séparé de Marc Selam à l'époque. Et donc, j'ai été vendeur donc avec dans son magasin aux 3 rues d'Arras. Et ça a duré grosso modo un an. D'accord. Donc là, j'ai vraiment loué parce que j'avais laissé mes études d'architecture d'intérieur à l'école Boulle pour faire ce truc-là. Donc, je me suis dit, oula, se retrouver en tant que vendeur en ayant laissé ses études, c'est pas terrible, tu vois. Ouais. Heureusement que j'avais ma femme avec moi qui m'a vraiment aidé à fond moralement et tout ça, et à supporter tout ça, quoi. Et donc voilà. Après j'ai eu l'affaire en or. C'est... grâce à Stéphane. Ah ouais. Alors l'affaire en or, voilà, c'est la personne qui m'a dit, voilà, écoute, il y a au 15 rue des Écoles, c'était à côté de Score Games de Jussieu, il y a une personne qui est venue, qui c'était un coiffeur, il est venu, il a dit, voilà, écoutez, moi j'ai ce local là, on rentre, alors il disait à Stéphane, on rentre toi et moi là-dedans dans le local et on fait un truc de jeu vidéo. Et Stéphane avait peur, il était là, il était pas très sérieux. Et moi, je lui dis, mais non, mais vas-y, ça va cartonner là-bas. Attends, tu te rends même pas compte, ça va cartonner, ça va être un truc de malade. Et Stéphane m'a dit, ok, je le fais, mais si tu rentres avec moi.
C'est-à-dire un tiers chacun. Un tiers le mec du local, un tiers moi et un tiers Stéphane. Et donc, il m'a dit ça. J'ai dit à un moment donné, bah oui, mais j'ai plus d'argent. Et il m'a dit, bah écoute, je t'appelle, je l'augmente de la somme que tu vas me redonner. D'accord. C'est-à-dire, en fin de compte, je te le donne gratuit. Quoi. En fin de compte, lui, ce qu'il voulait, c'était un cheval de combat. Ouais. Tu vois, tu sais, le fameux film. C'est House War là. Et donc il voulait un cheval de combat. Et donc c'est vrai que lorsque j'ai été là-dedans aux 15 ans d'école, j'ai dit là c'est mon opportunité. Et j'ai commencé à bosser mais comme un taré. Et je peux t'assurer que ma ligne directrice c'était tout reprendre. Tout reprendre. Même si j'en avais 11 ou 12, je reprenais encore. Ouais. Et alors, c'est arrivé, il y a eu des moments où j'avais peut-être 20 ou 30 jeux, quoi. Tu vois, du même titre. Ouais. Et donc, voilà. Et j'ai commencé à tout reprendre. Je reprenais. Ouais. Non-stop. Sans arrêter. Ah, t'as eu raison. Et c'est là où j'ai blindé le magasin à un niveau stratosphérique. Par exemple, aux trois rues d'Arras. Ouais. Quand tu montres des jeux Mega Drive, moi je me souviens aux trois Rodaras, je ne sais pas s'il y a encore quelques clients qui peuvent écouter la vidéo, qui était de l'époque où j'étais aux trois Rodaras. Derrière moi, j'avais un mur et de bas en haut, j'avais que des jeux Mega Drive. D'accord. Un mur complet, hein. Il devait y avoir peut-être 4000 jeux Mega Drive là. Ouais, ouais. Mais un mur complet de jeux Mega Drive. Et tous en pâle. J'avais le côté pâle, le côté américain et le côté japonais. Ah. Mais derrière moi, c'était que le pâle. Ouais. Mais c'était blindé. Et moi, je faisais un truc à l'époque qui va horripiler beaucoup de personnes. Mm-hmm. C'est les petites languettes, là. Je les cassais. Pour pouvoir rentrer tous les jeux, c'est ça? Pour pouvoir mettre tous les jeux correctement et que ça t'empile bien, quoi. Tu sais. Parce que les petites languettes, elles venaient chier, là. C'est ça me rend fou, moi. C'est pareil. Il y a quatre lignes, en fait, qui rentrent comme ça, mais la quatrième ligne, si la languette est trop dure, bah en fait c'est voilà, ça fait chier. Ah. Et ben moi je retirais les languettes, je les pliais tac tac tac, et je les retirais. Et donc ça j'ai fait plein de trucs. Après je faisais pas gaffe par exemple aux boîtes. Je me souviens une fois, il y a une anecdote et plusieurs fois, ouais. Ça m'est arrivé, mais une fois, c'était vraiment flagrant. Mmh. C'est la personne me revend la Super Nintendo, une Super Nintendo. Hein. J'ouvre la Super Nintendo et il y avait, à l'intérieur de la Super Nintendo, il y avait, tu sais, le truc en polystyrène. Ouais. Et j'arrive, je prends le truc en polystyrène, je l'arrache le truc. Ah ouais, mais c'était fragile de façon un peu, non? Ah ouais, c'était fragile. Et moi, je l'arrache et je l'arrachais plusieurs fois. Mmh. Alors, des fois, des petits morceaux, des fois, des plus gros morceaux. Mmh. Mais je l'ai arraché un gros morceau. Toi, tu voulais que l'emballage et pas l'intérieur, en fait? Pour moi, l'important, c'était la console. Ouais, ouais. Bah, l'emballage. Et la vérité, c'est ce que je raconte aux gens aujourd'hui qui collectionnent à mort, c'est que nous, à l'époque, un jeu en loose, c'était le jeu, c'était l'important. Et des fois, tu sais, exactement. En occasion, on ramenait les jeux qu'on avait pris d'occasion avec le change à 50 francs. Il y avait le poster, il y avait la notice, il y avait des fois... dans les Maiden, dans les NHL, il y avait les stats de la saison. On refoutait tout, on s'en foutait, on redonnait ça au magasin et ça repartait à un autre client. Et aujourd'hui, en fait, les gars, ils se diraient mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as pas gardé la notice? Pourquoi t'as pas gardé ça? Mais en fait, à l'époque, c'était pas ça. Non, à l'époque, c'était le jeu. C'était... Ouais. Et moi, pareil pour les consoles, je gardais les consoles. Je gardais pas les boîtes. Ouais. Donc j'ai une collection de consoles hallucinante, mais que la console, pas les boîtes. Ouais. Et donc après, quand j'ai vu mon erreur, j'ai commencé à rectifier et j'ai commencé à acheter les mêmes consoles que j'avais, j'ai racheté avec la boîte. Ouais. Et j'ai commencé. Par contre, j'ai pas fait cette erreur-là sur Game Boy, vu que c'était petit, je gardais la console. Ouais, enfin, je gardais la boîte, quoi. Tu te disais, ça peut être perdu et peut-être finalement ça prend pas de place, donc on va le garder. Bah, ça prend pas de place, donc je garde ça comme ça. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je vivais dans un petit appartement quand j'ai commencé la Game Boy et quand j'ai commencé à collectionner les jeux et tout ça. Et je me suis dit, putain, dans le petit appartement, si je commence à garder des grosses boîtes ou des trucs comme ça, ça fait beaucoup de choses, quoi. Ouais, donc, j'ai gardé que la console avec les câbles et tout ça. Ouais. Et j'ai commencé ma collection comme ça. Mais par contre, c'est vrai que. À l'époque, quand j'ai commencé à collectionner les jeux Game Boy, donc je sais pas comment se fait-il qu'il y ait encore plein de jeux NES dans cette qualité-là, parce que ça m'étonne, parce que sérieusement, à l'époque, je parle pas des jeux NES, hein, j'ai pas collectionné les jeux NES.
Après, je l'ai fait, mais après. Mais quand j'ai commencé à collectionner les jeux, ma collection, on va dire, Ouais. j'ai commencé avec les Game Boy. Ouais. Game Boy noir et blanc. Ouais. Et je me souviens qu'à l'époque, je prenais les jeux comme ça dans mes boutiques et aussi dans les franchisés où j'allais. Et comme j'aidais les franchisés à avoir une meilleure stratégie de vente, Ouais. je prenais aussi les jeux Game Boy. Et ils me les offraient la plupart du temps. Et donc, je me suis fait toute la collection vraiment à un prix dérisoire, quoi. Ouais. Et je faisais ça, je prenais que les jeux Game Boy, je prenais. Et je me souviens qu'à l'époque, les mecs, ils rigolaient. Ils disaient, ah, le Game Boy, le foot Game Boy, tu vois, les trucs comme ça. Et je prenais ça. Donc, c'était vraiment pas dans les mœurs, c'est de collectionner. Ah, pas du tout, hein. Ah, c'était pas dans les mœurs. Donc, c'est pour ça que je suis étonné. Je suis étonné qu'il y ait autant de jeunesse de cette qualité-là. Bah, la qualité, en fait, c'est, je pense que elle est chez les collectionneurs qui ont pris des jeux il y a longtemps, mais tu vois, aujourd'hui, ce que tu vois sur le marché, c'est, j'ai l'impression, c'est des versions qui ont été faites en Scandinavie, en Espagne, en Allemagne, et tu vois que quand même, les côtés sont éraflés, tout Il y ça. a, il y a, il y a des jeunesses Ouais. qui sont vraiment nickel, comme hein, par exemple la Christian m'a filé six jeunesses nickel, mais nickel, Ouais. c'est neuf quoi, c'est quasiment neuf. Et donc je suis étonné qu'il y ait ça encore, parce que même par exemple j'ai des jeux Lynx comme toi qui sont sous blister, Ouais. qui étaient d'une grosse entreprise ici en Espagne que j'ai racheté, et ces jeux Lynx par exemple, même ils sont blissés. Ouais. Mais on voit bien que le carton à l'intérieur, il a Il est vieilli, quoi. écrasé, ouais. Il est écrasé, tout ça. Donc je me dis, pour qu'il soit dans cet état-là, le mec, il a dû faire comme moi avec les jeux Game Boy, quoi. Ouais. Ça, les garder direct, ta, 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 en neuf, et les garder, et puis toucher. Ouais. Et c'est ce que j'ai fait sur Game Boy. Mais c'est pour ça que je suis étonné, parce qu'à l'époque, des jeunesses, par exemple, les gens qui me revendaient les jeunesses, il n'y en a aucun à l'époque qui m'a revendu un jeunesse nickel. Ah mais les Tu gamins vois? c'était les sauvages. Attends, tu te rappelles de Noël ou des anniversaires que les copains avaient? Ah bon, Eh vas-y, ils ils ouvraient la déchirent boîte. tout. Ils prennent le jeu, ça part dans la console, le polystyrène, le chien le bouffe, le cadeau, il est déjà à la poubelle. Ils courent avec le jeu à la main, ils tombent et ils écrasent le jeu. Ouais, c'est ça, le jeu, il Bah, a... Vas-y. c'est pour ça que des jeux Game Boy, comme ce que j'ai moi, c'est introuvable. Ah, mais Parce que c'est... j'ai tous les jeux, mais vraiment nickel, nickel, Ouais, nickel. Sans assez, la plupart, y en a, ils étaient tous de seconde main en général. Mais comme je les achetais, et des fois je prenais aussi des jeux neufs, comme je les achetais tout de suite, au moment où ils arrivaient, on va dire, Ouais. et ben, tout de suite, il y avait de la très, très bonne qualité, quoi, au niveau des jeux. Hein. Les jeux, vraiment, tu les vois, et bon, ils sont de seconde main, mais ils sont vraiment nickel. Tu sais, ils sont intacts. Mais la seconde main à l'époque, alors même si les jeux venaient de sortir, il faut dire qu'en effet, les jeux n'étaient pas en bon état. Hein. Tu vois, c'était des jouets pour les enfants à la base. Il y avait très peu d'adultes hein, qui achetaient les trucs. Hein. T'as vu des adultes de 35 ans, 40 ans qui viennent dans ta boutique revendre des jeux, toi? Moi, j'en ai pas beaucoup vu. Alors j'en avais quelques-uns, Hein. mais très très peu, ouais, très très Ouais. peu. C'est ça qui Mais j'en fait. avais quelques-uns. Bah, regarde, tiens, j'ai une anecdote. Christophe Gans, tu sais qui c'est ou pas? Alors, moi je connais que les prénoms. Si jamais il y a un prénom à connaître, je connais le prénom, mais pas le nom de famille. Christophe Gans, c'est celui qui a fait le pacte avec les loups là, le pacte des loups Ah, là. un acteur, d'accord, Euh, ok. la, euh, celui qui a fait, qui voulait faire Bob Morane, mais à la fin il l'a pas fait. Bah, c'est Ouais, le, c'est pas l'acteur, le c'est le réalisateur, producteur. Ouais, le producteur, ok, réalisateur. d'accord. Et donc lui venait au magasin. D'ailleurs, dans le pacte des loups, le glaive que le mec il utilise, c'est le glaive de Soul Calibur. Je crois que t'allais me dire Tu vois? c'est une manette, c'est un Non, nunchuk, c'est le glaive de Soul Calibur qu'il D'accord. utilise. C'est le vrai glaive de Soul Calibur. Et D'accord. donc, lui, il venait tout en magasin et je l'avais comme client habituel. Ouais. Et donc, lui, par exemple, c'était pas quelqu'un de jeune. Ouais. Et déjà, à l'époque, il avait déjà son certain âge. Ouais. Et j'avais comme ça quelques clients comme ça qui étaient quand même d'un âge quand même Ouais. déjà de 40, 45, comme moi, j'avais 20 ans, quoi. Ouais, il y en avait, ouais. Et donc oui, j'en avais quand même quelques-uns quand même. Hein. Mais c'est vrai que la grosse majorité, c'était les jeunes. Hein. C'était ta génération. Moi j'avais, je te Ta dis, génération, voilà. j'avais 15 C'était les ans, jeunes. Moi, 15, après, j'étais 16. vieux. Tu sais, quand j'arrivais à 30 et quelques Ouais, années, ouais, ouais. 32 ans, j'étais vieux pour eux déjà. Tu vois, ils venaient à 20 ans, 22 ans, 23. On avait 10 ans de différence. Et ces 10 ans de différence, déjà, j'étais vieux. Je faisais Ouais. partie des...
Mais moi, j'ai démarré quand même quand j'avais 23 ans, quand même. Hein. Ouais, t'as commencé 22 ans, tôt. 22 ans exactement. Ouais, 22. commencé tôt. Je sais que, si tu veux, nous, on avait nos affinités avec des gens, plus en effet, comme je t'ai raconté, sur République. Mais pour discuter, en fait, avec le vendeur, c'est pas qu'on savait ce qu'on voulait, mais il y avait le temps qu'on vienne de la banlieue, reprendre le RER après pour repartir. On a vécu 1 heure de marche, 1 heure et demie, et on parlait très peu des fois quand on avait 16-17 ans, tu sais, avec les vendeurs, les gérants. Et ça nous. On savait, si tu veux, en fait, nous, on voyait le jeu en vitrine, mais on avait déjà lu tout ce qu'il y avait dans le magazine avec AHL, Trazome. Et en fait, on n'avait pas forcément besoin de parler. On savait si le jeu était plus ou moins bien parce qu'on avait un pote qui l'avait acheté, mais. Comment dire, la relation, c'est assez étrange parce que tu me diras, il n'y avait pas Internet, mais la relation client et vendeur, elle était particulière quand tu avais moins de 17 ans, moins de 18 ans. Tu venais acheter ton jeu ou échanger et tu étais content d'avoir trouvé ce que tu voulais, genre Fatal Fury Spécial, Samurai Spirit, tout ça. Parce qu'il y en avait un qui traînait un samedi ou un dimanche, ou un mercredi, tu vois, il fallait le prendre J'ai vite. la différence. J'ai analysé la fin de notre conversation et Ouais. je sais quelle est la différence. Ouais. Toi, quand tu allais à République, tu Ouais. allais parce qu'il y avait plusieurs magasins. Ouais. Tu faisais magasin par Ouais. magasin. Ça faisait un petit peu muséum. Ouais. Et donc, tu allais magasin par magasin et Ouais. après, dès que tu trouvais un jeu, hop, tu prenais. Ben, les Ouais. gens chez moi, Ouais. au début, ben, on avait plusieurs magasins à hein, Ouais. Jussieu, mais la plupart des gens venaient parce que c'était Stock Game Jussieu. D'accord. Donc, il venait directement pour aller dans mon magasin. Donc, il venait exprès pour mon magasin. Donc, directement, il y avait déjà une relation différente. Et lorsqu'il venait, comme il savait que j'étais à fond dans le jeu vidéo à fond, eh ben, il faisait pas la recherche que toi tu faisais. Tu sais, avant, bon, il y en a bien sûr qui allaient directement pour le jeu, mais la plupart venaient et me disaient, qu'est-ce que tu me conseilles? Et moi, je leur disais, bah, je te conseille ça, ça ou ça. Et après, par rapport à ça, ils me disaient, bah, tiens, je vais prendre plutôt celui-là parce que c'est plus dans mon style, je vais prendre plutôt celui-là, voilà. Et donc, et après, ils étaient tous contents et ils venaient, ils étaient super contents, ainsi de suite. Donc, j'avais surtout cette relation client avec eux. Et j'ai formé mon personnel pour avoir une différence par rapport à République, qui était vraiment, République, c'était un petit peu, je sais pas, on avait dit des mots la dernière fois. On va pas les redire maintenant, mais bon, j'essaye de rester poli. C'était plus un industriel, tu vois, plus industriel, je Voilà, ressentais ça. on va dire ça, exactement. C'était plus, j'en ai rien à foutre de ta gueule et voilà. C'était un petit peu ça, quoi. Et les mecs, ils se prenaient vraiment pour Dieu le Père. Et donc, j'aimais pas trop ça. Et donc, moi, je voulais plutôt être de tu à tu avec le client. J'avais une relation beaucoup plus genre frère. Ou genre ami. Donc j'avais vraiment une très grosse relation comme ça avec les clients, ce qui fait que bah, j'ai fidélisé énormément de clients à Jussieu. Et j'espère qu'il y a des clients qui m'écoutent là de cette époque-là. Ah mais t'inquiète pas, j'ai reçu des bons commentaires déjà de gens qui sont extrêmement contents. Il y en a qui m'ont dit, ouais, j'ai acheté un jeu à cette époque. Ils s'en souviennent. Ils se souviennent du jeu qu'ils ont acheté chez toi, pour te dire. Moi, je me souviens pas des jeux particulièrement à cause du vendeur dans une boutique. Je me souviens du jeu que j'ai acheté, point final, tu vois. Bah, Olivier de Tader, justement, lui se souvient qu'il avait acheté un Tobal 2 chez moi. Mais c'est, tu sais, il a dû acheter le Tobal 2, mais qui c'est qui l'a amené en voiture? C'est moi. Parce que Olivier et moi, on allait sur Paris en voiture quand j'ai eu le permis en 96, à un moment donné. Alors, Tobal 2, je pense que c'est après 96, en effet. Donc, c'est sûrement avec moi qu'il est venu. Mais Bah, sans doute, ouais. et il avait acheté également un. Alors, c'est un Megaman Racer ou un truc comme ça. Ça te dit quelque chose ou pas, non? Megaman Racing. Megaman Racer, Un truc comme sur quoi? ça. Sur quelle plateforme? Sur PS1 en japonais ou un truc comme ça. Et on était venu également une fois acheter un Winning Eleven G-League ou je sais pas quoi sur PS1 en import. Et je sais pas si c'était chez toi ou pas, tu vois. Mais en effet, tu vois, on trouvait pas certains jeux que lui voulait en fait pour sa collègue sur République. Parce que sur République, c'était des grands standards ou des jeux d'occasion en fait. Qui était pas forcément intéressant des fois et les raretés tu vois comme regarde moi je te donne un exemple longtemps avant hein, c'est-à-dire que moi la Super Famicom le Super Star Wars l'Empire Contre-Attaque en Super Famicom
je l'ai trouvé en fait à Jussieu. Il n'était pas sorti en import. Et vous l'avez eu en premier en fait sur Jussieu. Alors je me souviens pas s'il était également chez toi. Je sais que je l'ai pris chez Score Game, je suis désolé, en 93. Et en T'es fait. allé chez Philippe Et tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? C'est que j'avais des points sur ma carte, j'avais ramené. Et tu sais, ces idiots de Score Games, ils avaient un catalogue. Alors, avec la reprise de prix des jeux. Un jour, je ramène, tu sais, le Mega Games de Sega. Les compilations là, Street of Ouais, je connais, Rage, ouais, avec les jeux là. Golden Axe, Angol, tout ça, War Capitalia. Je ramène deux Mega Games. Je me dis, il va le prendre 50 francs comme ailleurs. Le mec à la caisse, tu sais ce qu'il fait? Il prend chaque jeu qu'il y a sur la compilation. Non. 150, 150, 150. J'ai revendu Mega Games, je sais pas, 300 francs quoi. Alors que c'était plus cher que le neuf. Et j'ai fait, non, attends, j'ai dit, attends. Et on dit rien, on dit rien. On dit rien. Le jeu, c'est bon. Il m'a foutu mes points sur ma carte. Je suis parti en rayon. Et puis, j'ai pris mon Super Empire Strike Back à 645 francs. Il venait de sortir en import la semaine au Japon, en fait. Et il était introuvable, l'Empire Contre-Attaque Super Famicom. Et c'est grâce à ça que j'ai pu avoir le jeu. J'aurais jamais pu me le payer à l'époque. Parce que j'avais revendu deux jeux Mega Drive avec les points. Enfin bref, c'est une histoire. Mais je sais qu'il y était chez vous, l'Empire Contre-Attaque. Pas forcément peut-être à la même date, mais. Enfin voilà, je te J'étais en disais. train de réfléchir avec le Mega Man Racer, je crois que je l'ai. Ouais. Il est extrêmement rare. Il est extrêmement rare. Attends une seconde, Vas-y, attends une vas-y, seconde, je vais vas-y, regarder. vas-y. Ah non, moi j'ai pris Bomberman, pas le Mega Man. Oh là là, laisse tomber, laisse tomber. Ah, mais t'as peut-être raison, attends, c'est peut-être Bomberman Racing, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Voilà. Parce que j'ai le Bomberman en Play 2, là, j'ai le Bomberman Hardball. Ouais, Bah, ouais, celui-là, là. ouais. Après, j'ai le Bomberman Online en Dreamcast. D'accord. C'est un jeu PS1 japonais, Et moi. sur PS1, j'ai ces trois-là. Alors, j'ai Bomberman World. Ouais, ça je l'ai, c'est pas celui-là. Ouais, il est très bien J'ai le celui-là. Bomberman Normal. D'accord, Et c'est peut-être celui-là, non? Celui que tu parles, peut-être. Alors, c'est du racing ça ou pas? Ça Eh te semble ben, quoi? oui, c'est du Racing. C'est du Racing. Ah, ça doit être celui-là alors. C'est celui-là C'est alors. celui-là, faudra que tu regardes la cote du jeu, mais je crois que c'est celui-là qui coûte est extrêmement dur à trouver. Alors, faudra que à la limite, je demanderai un jour, hein, mais où je regarderai. Et toi, tu les as en très très bon état là. Ah bah moi Ça je sent le les ai neuf. éteints neuf. Hein. Ça sent le neuf là. Ah, je les ai éteints neuf là. Ça Je sent le veux même pas neuf. l'en tirer tellement qu'il est bien mis là. Ah ouais, non, mais c'est moi j'adore parce qu'il y a la sensation, tu Regarde. sais, quand t'achetais les jeux à Regarde l'époque. l'état des Ouais, jeux. le plexiglas, Et nickel. ça brille, hein, et ça brille. Bah ouais. Non, mais Et ça, c'est pas de la non, repro. ça c'est pas de la repro, non, c'est pas de la. Bah d'ailleurs, tu vois, il y a pas longtemps, on a fait une émission, on a parlé des Ah oui, reproductions. hey, Vas-y. c'est bien Bomberman Racer, regarde. Bah oui, c'est marqué en anglais alors. Fantasy Race. C'est peut-être celui-là. C'est peut-être celui-là. Ou alors c'est le Megaman. Ou alors c'est le Megaman Racing, mais écoute, je sais pas s'il existe réellement parce Moi, sinon, que. je ne sais pas pourquoi, je confonds toujours Megaman et Bomberman. Bah tu vois, je viens de le C'est, faire, je viens on, de le quand on faire. parle de Bomberman, je pense à Ouais. Megaman, et quand on parle de Megaman, des Voilà. fois, je pense à Bomberman. Je ne sais pas, Ouais, je suis dyslexique à ce niveau-là, j'ai ouais. Ouais, l'impression. mais pourtant, tu vois, je pense Megaman ou je pense Bomberman, mais je vois l'autre jeu en fait en parlant. Mais je pense que en fait c'est. Alors, Olivier de Trader, extrêmement fan de Bomberman. Il avait trois jeux, le gars. C'est lui, il était fan. Bomberman, GoldenEye. Bah un peu Winning Eleven, mais je l'ai un peu dégoûté avec les PES vu qu'ils n'arrivaient jamais à me battre. Donc à un moment donné ils disent c'est pas possible, on arrête de jouer ensemble. On jouait plus ensemble à cause de ça. Mais il faisait des soirées, on faisait des soirées à jouer à Bomberman chez lui, chez ses parents à l'époque. Et Moi aussi, toute la je faisais les nuit. soirées comme ça à Attends, quatre. à un moment donné, je me souviens d'un soir en été, il me dit ce soir on fait une soirée Coca, pizza, GoldenEye. Je dis ouais, écoute, c'est pas mal, c'est sympa. Mais par contre, voilà, moi je vais regarder mon équipe de foot qui jouait à la télé.
Et en fait, je vois sa télé, genre, je vois sa télé dans sa pièce, une télé 36 cm, un truc comme ça. Je dis, mais vous allez jouer à GoldenEye à 4, là-dessus, là, sur 64. Je dis, non, c'est pas possible, on peut pas jouer, les gars. Et en fait, bon, on est resté jusqu'à 23h minuit, et puis après, on les a laissés, Il faut mais. être collé, il faut être collé à la télé pour bien le voir. Ils kiffaient, les mecs ils étaient là avec leurs manettes, ils se cachaient et tout machin, ils étaient à fond, hein, mais pour moi c'était pas Attends, à jouable. l'époque, on kiffait d'Arien. Moi, par Ouais. exemple, tu vois, Manic Miner Ouais. sur Amstrad. Ouais. Je me souviens que Manic Miner, moi, j'adorais. Hein. Ouais. Et c'était un jeu de merde, hein. Mais bon, j'adorais, Ouais, quoi. Tu vois? sur Amstrad CPC, les petits jeux Ouais. là. Ouais. Ouais, le mineur, ouais. Le Voilà, celui-là. Ouais. Y avait Moi, un. je me souviens que le jeu que j'adorais à fond, c'était Boule d'or d'âge. Boulder Dash. Ah ouais, Boule d'or d'âge où tu devais prendre des diamants là et tout ça j'adorais quoi. D'ailleurs, j'ai le Boule d'or d'âge en Game Boy Color. Alors moi je pourrais Ou en pas Game Boy dire. Advance, je sais plus si en Game Boy Color ou Game Boy Ouais. Advance, ouais. Mais je l'ai, Ouais, et hein. c'est un jeu rare ou pas ça? Parce que moi je pourrais pas te donner Ah mon ressenti, bah, tu vois. c'est un jeu super rare, je l'ai là-bas là, Ouais, mais c'est un jeu ouais, super rare, ouais. C'est pas un ouais, jeu facile à trouver, hein. ouais. Bah, c'est un jeu c'est comme le Dig Dug et tout ça, c'est des jeux qui étaient anciens, qui sont ressortis sur la Game Boy ou Game Boy Color ou Game Boy Advance, et où les gens, ils ont pas trop tilté, parce que c'était pas le jeu où, tu vois, où il n'y avait pas une anecdote, ça, c'était pas publicité, enfin, voilà, quoi. Et donc, ils n'ont pas tilté, eux, ils étaient plutôt Final Fantasy, les trucs comme ça, quoi. Tu Mais vois? comment dire, si tu veux, la Game Boy Advance et la Game Boy Color, c'est la génération de mon frère au niveau des jeux. C'est-à-dire que ça correspond à 2000, 2001, 2002, au moment où moi j'ai arrêté un peu le jeu vidéo et je me suis complètement désintéressé de tout ce qui sortait en fait après la Dreamcast. Pour moi, la Dreamcast, quand ça s'est arrêté, toi tu pourras me raconter par exemple, la Dreamcast, quand ça s'est arrêté, pour moi ça a été un espèce de petit traumatisme parce Ah bah moi que. aussi, hein. J'ai déjà adoré et je me dis merde. Alors moi j'adorais la Dreamcast, hein. J'ai pas compris pourquoi elle n'a pas marché, hein. Ouais, et en boutique, ça se vendait bien quand même, tu vois? Ah bah bien sûr, Ouais. ça se vendait quand même assez bien, mais c'est vrai qu'elle n'avait pas le truc de Super Nintendo, enfin de la GameCube et tout ça. Elle n'avait pas cette voilà. Mais L'aura, par contre la l'aura, ouais. Dreamcast, pour moi c'était la meilleure machine, hein. Bah, quand moi j'ai joué à Taxi là, pour moi Taxi c'était un truc de malade. Ouais, Crazy Taxi, bien sûr, Crazy Taxi, c'est vraiment un truc de malade. ouais. Après, quand j'ai joué à d'autres jeux, quoi, c'est le jeu de Ready to Ready to Rumble, le 1 et le Rumble, 2, là. C'était un truc de malade. Moi, j'adorais ce jeu-là, quoi. ouais. Les visages qui se D'ailleurs, je déforment les et ai. tout. Tous ces jeux-là, je les ai maintenant. Et tu sais que ces jeux-là, il y en a tellement. Enfin, ils ont Sega a fabriqué tellement de stocks pour les boutiques à l'époque, les distribuer. Ils ont, si tu connais l'histoire, je vais pas te l'apprendre, mais ils ont vendu moins de consoles qu'ils ont fabriqué de jeux à un moment C'est vrai. donné. Et les jeux, si tu veux, tu peux pas acheter 2-3 jeux par client. Et les clients, ils achètent un jeu et c'est fini. Et aujourd'hui, tu vas à République, tu vas dans les Game Cash, tout ça, tu retrouves des Soul Calibur, des Virtua Striker, des Crazy Taxi, blistés d'origine à C'est l'époque, vrai. C'est invendus, vrai. 25 francs, enfin 25 €, 25 €, 35 €. Ça commence un peu à monter, tu vois, mais très très longtemps, ils sont largement accessibles, les jeux, tout le monde peut les avoir, mais t'as l'impression qu'il n'y a pas un public, parce que même moi, dans mes potes, écoute, pour te dire, j'étais extrêmement fan de la Dreamcast quand elle est arrivée. Moi, j'ai été chercher la Dreamcast japonaise, justement chez Stock Games à République à l'époque, et j'ai pris NFL 2K, NHL 2K, et Ouais. c'était le sport américain, le sport NFL 2K, le sport Et t'as pas américain. pris GZ Radio, tout ça? T'as pas pris GZ Radio, tout ça? Non, 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 j'étais pas trop T'as pas pris skateboard. Pen, par exemple? Non, non, Godzilla, non. Tu vois? Non? Non, chez Obi-Wan, on a rigolé avec ça à l'époque quand il y avait Godzilla qui tournait. Ils avaient que ce jeu-là au début de la Dreamcast avec je sais plus quoi là. Le poisson là. Le poisson là. Le jeu du poisson. Tu parles dans un micro. Ouais, le bash, Fisher Bass, un truc comme Ouais, ça, ouais. Fisherman, un truc comme ça, c'est pas ça là? Ouais, un truc comme Non, ça. Fisher Bass, Parce que tu Bass, sais, il un avait truc comme la. ça, je crois. T'avais un micro, un casque, et tu parlais et tu Ouais. donnais des ordres au mec qui avait, au poisson qui avait une tête de mec.
Ah, mais c'est. Tu sais que tu as aussi l'accessoire Ouais, là. je l'ai vu ça. Ouais, je l'ai vu. Ah, ça. Et bah, c'est marrant parce que tu te dis, bah, t'achètes ça. Moi, ce qui m'aurait fait kiffer, tu vois, c'est la manette poussoir pour les trains japonais sur Densha Dogo, Nintendo 64. Et bah, la PS1 aussi. Sur PS1, il y a l'accessoire avec la prise de la manette pour avoir les commandes du train au Japon. Tu connais cette histoire? C'est pas mal, Ouais, hein? je l'ai celui-là, hein. Sur Play 1, je l'ai. T'as l'accessoire ou pas? Avec la manette blanche. Ouais, la grosse manette avec le. Comme un. Ah non, moi par contre j'ai la manette blanche qui est D'accord. vendue avec celui du train là. Mais D'accord. c'était une sorte de manette blanche Ouais. avec, comme ça tu dis, le truc comme ça, mais c'était en Ouais. manette blanche. C'était pas D'accord. le, c'est le gros truc C'est pas le gros où tu truc. bougeais comme ça. Je sais qu'il D'accord. existait aussi Ouais, celui-là, ouais. mais j'en ai un où c'est avec la manette blanche où tu tournes. C'est une sorte Ah de truc que. oui. C'est pour les freins. Ça, c'est pour. Je crois que c'est pour les freins, ça, un truc comme ça. C'est pas les freins, je crois, sur le Peut-être, ouais. train. Ouais. Et. Bon, en tout cas, Ouais. j'ai cette manette-là et j'ai la boîte complète. Ouais. Bah, tu Neuve. vois. Ouais, bah ouais, tu vois. Neuve. Non, mais. Est-ce que t'as besoin de signifier que c'est neuf? Moi, je sais que c'est neuf. C'est pas comme si. Tu sais, c'est pas comme si je parlais à un brocanteur qui va dans le Pas-de-Calais chercher des jeux et qui dit, ouais, je l'ai eu neuf. Bah, en fait, non, tu l'as eu d'occasion, mais voilà. Mais hey, franchement, il y a une mode en ce moment sur YouTube où tu as des gens qui sont dans l'extrémiste, en fait, du rétro gaming. C'est-à-dire qu'ils veulent des jeux mint en état parfait, mais qui ont été fabriqués il y a 35-37 ans. Et on a rigolé avec un mec récemment qui a acheté un jeu Saturn qui était blisté. Il a ouvert le jeu Saturn sous cellophane. Le CD se décomposait à l'intérieur. Tu vois le délire un peu? Donc en fait, Là. t'as beau acheter un jeu emballé d'il y a certaines années en version CD, si ça a été conditionné dans des températures en dessous de zéro, ton truc il peut avoir moisi à l'intérieur. On sait pas, tu vois. Et est-ce que Ici toi, en Espagne, j'ai pas ce problème-là. En dessous de zéro. Ah. Par contre, j'ai le problème inverse. Ouais. J'ai le problème au-dessus de 50. Et ah oui, bah, je pense qu'il y a des consoles extrêmement mal aérées, hein. La Game Gear, la PC Engine, elle chauffe beaucoup, je trouve aussi, la première. Et il y a des toutes petites aérations, et même la Super NES, hein, la Super NES, bon, elle tient le coup, mais là, tu mets une console qui a 35 ou 40 ans, là, en marche, à 45 degrés, dans la pièce, je suis pas sûr qu'elle va aimer, Mais hein, tu vois. le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est par exemple l'Amstrad. L'Amstrad Ouais. CPC 464. Tu vois, il y a un Ouais. système dans le disque. Ouais. Quand tu mets le disque, tu as un système où tu as une sorte de d'élastique qui te fait Ouais. tourner le disque. Ouais. Et ben, tout ce système-là avec élastique, l'élastique, il sèche. Oui, et il casse. Ouais. Il casse. Donc, tu es obligé de réouvrir le truc et de remettre un autre élastique comme Une ça. courroie. Alors, tu peux le mettre avec un vrai élastique, tu sais, les élastiques normaux que tu Ouais. as, ou tu peux le mettre avec l'élastique original, on va dire, Ouais, celui ouais, ouais, que tu peux acheter par Internet. ouais, Mais c'est vrai que, voilà, il faut l'ouvrir, il faut de le. Et voilà, ouais. c'est assez. Il faut s'y connaître un petit peu, quoi. Pour la personne lambda qui ne connaît Et. pas, qui ne sait pas utiliser un tournevis, ouvrir un CPC 464 avec tout le clavier, avec tous ces trucs-là, Ouais. c'est pas évident, quoi. C'est pas évident. Et le pire, moi je sais que sur les lecteurs cassettes, c'est encore plus compliqué parce que même le C64, pour remettre la courroie, t'es obligé de dévisser en dessous en fait, parce que t'as pas Exact. accès. Et je peux te dire que si jamais tu fais tomber un truc ou deux, pour les remettre, c'est comme une horloge. Hein. Donc, regarde, pour les anciennes machines, moi je conseille sous. Quand on discute avec des gens, je conseille aux gens de ne pas mettre plus d'une certaine somme dans des machines anciennes. Récemment, il y a des gens sur République, ils ont acheté, écoute, des consoles à 900 euros, la Super Graphics. Alors chez Vince de Dragon Games, on a. Alors Vince, est-ce que finalement c'est celui dont on parlait l'autre jour là? Tu connais ou pas? Oui, c'est lui, Ouais. c'est lui. Et tu vois, regarde, on a joué gratuitement à la Super Graphics dans sa boutique. Il a amené sa console, il l'a mise dans la boutique, on a joué et tout. Et t'as des gens qui achètent sur Paris des consoles, on sait pas si elles marchent, par exemple chez Fullset ou ailleurs. 900 euros la console, ils mettent ça dans leur collection. Ils ont tellement peur que la console et rende la pipe en fait du jour au lendemain qu'ils la mettent pas en marche. Ils la mettent pas en marche. T'en penses quoi de ces gens-là, toi, en fait? Et ben moi j'en fais partie. Ah non, mais.
moi je te les répare après, c'est pas grave, je te les répare, c'est pas grave. Non, tu le fais aussi. Alors, disons, quand j'achète une console qui est en état moyen, j'y joue. Ouais. Mais quand j'achète une console qui est en état parfait, mais parfait, ouais. La seule chose que je peux faire, c'est limite de la désemballer et l'allumer. D'accord. Et si je vois qu'elle s'allume, c'est bon. D'accord. Tu vois. Ouais. Mais je vais pas au-dessus à tester, à mettre le jeu, inciter tout ça. Je vais pas jusqu'à ce niveau-là. Mais comme je dis, c'est par exemple là, j'ai acheté une Jaguar, une Jaguar CD. Ouais. La Jaguar CD, je l'ai pas testée. Par contre, j'ai testé la Jaguar normale. Ouais. Mais la Jaguar CD, je l'ai pas mis, j'ai pas tout désemballé parce qu'elle était neuve. Ouais. Donc je me suis dit voilà. Et le mec, il m'a envoyé des photos en faisant. En plus, le mec, c'est un curé curé, je sais pas. Une paroisse. Ouais, c'est pas une paroisse, c'est pas le curé là-bas, je sais plus comment on appelle ça déjà là, aux États-Unis là, c'est les mecs, on n'appelle pas les curés. C'est un mormon, tu veux dire? Non, c'est pas un mormon non plus. C'est les. Pas un prédicateur, mais je sais plus comment on appelle ça là. D'accord, enfin bon. D'accord, en tout cas, l'exorciste, ça fait partie de ça. Voilà, dans une chapelle, il travaille un mec. C'est pas un exorciste, non. Il travaille dans une chapelle. Et ce mec-là, bon, il a pas. C'est pas le style à vouloir m'entuber quoi. D'accord. Donc il m'a vendu ça plus des jeux et il m'a même après envoyé une pochette qu'il avait pour pouvoir protéger la console et tout ça. Donc j'ai gardé tout ça et voilà. Ah bah et franchement j'aurais jamais pensé qu'un prêtre ou un prédicateur aurait une Jaguar. Non mais c'est ça qu'il faut retenir en fait, c'est pas qu'elle marche, c'est que voilà. Par contre, alors lui m'avait dit que c'était une donation d'une personne qui lui avait donné à lui. Lui elle était neuve quand il lui a donné. D'accord. Lui il a testé, il m'a dit tous les jeux qu'on lui avait donné. D'accord. Il a dit il les a testés tous un par un pour voir s'ils fonctionnaient comme ce que toi tu m'as dit. Ouais. Et après il a pu jouer quoi. D'accord, je vois. Il a testé tous les jeux un par un et il a vu que ça marchait. Ouais. Et le mec, il les a testés pour être sûr que tout marchait pour vendre quelque chose qui marche, quoi. Et moi, je lui ai acheté la console, quoi. Je lui ai acheté, je me souviens, j'étais à 3h et quelques, 3h30 du matin en train d'appuyer sur eBay, là, pour avoir la meilleure offre. Ouais. Ah ouais, c'était aux enchères, c'était même pas. C'était aux enchères. Et j'ai acheté ça aux enchères à 3h30 du matin, quoi. Ouais, en direct, ouais, bah ouais, j'imagine. Il y avait deux systèmes de manettes. T'avais la fameuse manette, là, allongée, là, tu sais, où t'avais le truc. Et t'avais la manette, la vraie manette, forme de manette. Ouais. Mais la vraie manette, elle est vachement balèze à trouver. Moi, j'en ai une, mais elle est vachement balèze à trouver, hein, sur CD32. Et t'as cherché aux Pays-Bas, en Europe, un peu, aux Pays-Bas y a Non, un... mais je l'ai. Ouais. Je l'ai, mais c'est balèze à trouver. Ouais. Par contre, tu vois, sur CDI, il y a quelques jeux qui sont sortis. Ouais. Que j'aurais bien voulu avoir, mais c'est balèze à trouver quand même, hein, les jeux CDI, hein, c'est pas évident. Le seul qui me faisait kiffer, moi, c'est, j'aurais bien voulu tester. Alors, il y a des gens, ils me disent, il y a un peu de latence, etc. Le jeu de tennis qu'il y avait dans MicroKit, tu vois, c'est le seul truc, tu vois. C'est comme Last Resort Neo Geo. Je me suis acheté une converte parce que le vrai jeu, c'est 800$ maintenant, et moi, j'ai pas 800$ pour un jeu. Je les aurais pas parce que c'est pas cohérent pour moi. Et si tu veux, Last Resort, c'est pareil, c'est mes souvenirs d'enfant. Tu vois ça à la télé et puis ça, c'est impressionnant, tu vois, Last Resort. Et j'adore les shoots, moi. Bah, surtout, vous avez les petits bonhommes qui sautaient de l'avion, là, quand tu tuais l'avion. C'était pas mal, ça. Oui, il y a le sprite. Oui, en effet. Ouais. En effet, ouais, c'est vrai. Mais je fais pas attention parce que quand je joue, en fait, si tu veux, je recommence, je fais du scoring et tout. Je regarde pas les petits détails, des fois, comme ça. T'as raison. Et moi, je pensais que quand j'ai vu la première fois Last Resort, ça m'a fait penser à R-Type. R-Type, ouais. Parce que, en effet, il y a des piétons autour des voitures au premier niveau en bas, et tu peux les flinguer, les piétons, comme dans Rampage, le King Kong, il arrive, il bouffe les gens, tout ça. Mais tu vois, on a fait une émission avec un des potes programmeurs que je connais. On a parlé des plagiats dans le jeu vidéo, et Terminator, le boss du. Enfin, le squelette du T-800 dans le niveau 1 de Last Resort, à la fin, il y a la tête du Terminator qui sort avec les yeux rouges. Ouais. Exact, ouais. Comment ARM, à ton avis, ils ont pu avoir. Enfin, pas ARM, c'est les anciens d'ARM qui ont fait Last Resort. Mais comment, en fait, à ton avis, ce jeu-là, il a pu sortir avec le T-800?
Tu crois qu'il y a une histoire de... Parce que vous, comme vous vous êtes fait attaquer pour des symboles dans votre boutique, imagine dans l'industrie du jeu vidéo, tu utilises quelque chose qui sort. Bah nous, on s'est fait attaquer sur plusieurs trucs. Hein. On s'est fait attaquer parce qu'on a fait de l'import par Sega. Ouais. On s'est fait attaquer aussi par Nintendo parce qu'on a fait de l'import. Ouais. Nintendo France hein, et Sega France. Hein. Du ouais. temps, en fin de compte, ça a été la transformation entre la France, entre guillemets, sans l'Europe. Et dès qu'on est rentré dans la communauté européenne, ils ont fait plein de lois. Ouais. Plein de lois, ouais. Et ces lois-là ont fait que les éditeurs français, ouais. Comme Sega France et Nintendo France, mmh. pouvaient nous attaquer parce qu'on faisait de l'importation ouais. japonaise. Ouais. Ouais. Ils attaquaient sous forme de contrefaçon. Mmh. Ouais, tu m'avais raconté. Ouais. Et là wow, on s'est ramassé des procès un sur l'autre. Hein. Si vous aviez vendu que de l'occasion et pas des produits déclarés neufs, ça aurait fonctionné, tu penses? C'est-à-dire un marché. Bah, c'était de l'occasion, ils ont acheté de l'occasion. D'accord. Ah ouais. D'accord. Ah, c'est ils ont acheté de l'occasion. Mais tu sais que, enfin tu le sais, je t'apprends rien, Shoot Again, c'est la même histoire avec NEC et la PC Engine. Quand ils ont fait de l'import sauvage, Shoot Again a fait de l'import sauvage sur la NEC. Et NEC leur a fait un procès parce qu'ils ont importé de façon sauvage en France en fait le produit avant qu'il soit commercialisé par Sodipeng. T'avais eu écho de tout ça également? Oui, ça j'avais eu écho aussi. Ouais. Ouais. Ça je le savais. Ça. Ouais, ils avaient eu des problèmes là-dessus. Ouais. Mais ça, apparemment, ça a causé carrément leur perte à un moment donné. Hein, cette histoire en fait hein, de procès. Bah, je me souviens qu'après ils pouvaient plus en vendre. Ils en avaient plein dans le magasin. Enfin bon, ils avaient beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Ouais. Mais ça, je vais te dire un truc. Hein. Ouais. C'est les éditeurs, ils ont une grosse partie de responsabilité parce que quand tu vois que, enfin les éditeurs, surtout enfin le Nintendo et Sega, d'accord. quand tu vois que nous, les magasins spécialisés, mmh. on avait du mal à obtenir la Play, par exemple, la PlayStation ouais. ou la Play 2, on avait du mal à l'obtenir et on devait aller, comme je t'avais dit, à la Fnac pour acheter ou au Carrefour ouais. pour acheter des consoles. Ouais. Eux, ils avaient toutes les consoles qu'ils voulaient. Mmh. Et Virgin, je te raconte même pas. Ils avaient toutes les consoles qu'ils voulaient. Et nous, on était comme des cons à devoir acheter les consoles. Et après, les mecs, ils disaient non, qu'une seule console par client. Ouais. Alors, on était obligé d'aller avec tous les vendeurs en cash, ouais. payer un par un toutes les consoles ouais. pour ensuite les revendre à prix coûtant ouais. au magasin. Et c'était un achat par jour ou tu pouvais revenir à la caisse plusieurs fois? Non, c'était un achat par jour. Tu y allais, t'achetais, d'accord. tu sortais et tu devais aller ou à un autre Carrefour d'accord. ou revenir le lendemain et par jour. Ouais. Donc par jour, tu devais aller. C'était un peu galère quand même. Hein. Ouais. Et ça vraiment, c'est bah, ils ont privilégié les autres. Hein. Ouais. Et Nintendo, pareil, hein, avec la GameCube. Je me souviens, la GameCube, ça a été catastrophique. Ouais. On n'a eu que dalle en GameCube. Ah, et ils ont ah oui, au tout début, hein, le lancement de la GameCube, c'était catastrophique. Ouais. Ils ont commencé à vendre à tout le monde, sauf à nous. Mmh. Tu vois, et pas... ils faisaient ça. Vas-y. Après, il ne faut pas qu'ils se plaignent. Hein. Après, il y a d'autres détails. Mmh. Un exemple, toi, tu achètes un jeu neuf, okay, que tu vends à 60 euros. Mmh. Ou tu gagnes 9 euros ou 10 euros. Ouais. Après, tu arrives et tout. Le même jeu, toi, tu l'as. Mmh. Eux, ils n'arrivent pas à le vendre, tu sais, dans les carrefours et compagnie, ils n'arrivent pas à le vendre, il n'y a pas de problème. Ah oui, allô, éditeur, on n'arrive pas à le vendre, on va vous le retourner. Mmh. Ah bah non, faites la descente de prix, on vous rechange en marge arrière, on vous rechange le prix et il n'y a pas de souci. Donc eux, ils baissent le prix, ils ont le droit parce qu'ils ont la marge arrière, donc ils ne vendent pas à perte, ils baissent le prix et toi, tu as une loi qui dit, peut-être t'as pas le droit de vendre à perte. Mmh. Alors tu fais quoi? Tu te coupes le jeu. Tu vois, donc bien sûr, on a dû contourner cette loi et ils vendent quand même. Et donc on vendait à perte le jeu, alors que les autres gagnaient encore. Donc toi, on était vraiment dans deux niveaux. C'était pas équitable. Et donc, ouais. Et oui. Et là, et les familles qui allaient avec leurs enfants, et ben pendant qu'ils achetaient la bouffe, ouais. t'inquiète pas, tiens le petit, on va le mettre là-bas, et le petit après venait, ah ouais, je veux là. Ouais. Et là tout de suite, on lui a acheté. Donc ça nous a fait énormément de pertes. Mmh. C'est quand ils disent le piratage, ça nous a pas fait de pertes. Mmh. Je vais développer l'idée. Je vais t'expliquer pourquoi. Les gens qui pirataient, c'est ceux qui voulaient beaucoup de jeux, ouais. beaucoup de jeux. Ouais. Et ceux qui voulaient beaucoup de jeux, eh ben ils aimaient les jeux. C'est vrai. Et quand ils aimaient les jeux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils revenaient au magasin, me disaient ah, ce jeu-là j'ai bien aimé. Mmh.
Je cherche en original. Et donc, ils achetaient les jeux originaux et les gardaient. C'était les premiers collectionneurs. D'abord de data et après de jeux vidéo. Mais c'est dommage que bah, ce que tu dis, c'est vrai. Je confirme, je confirme. J'irais même plus loin, c'est-à-dire que la collection en fait de jeux gravés, elle s'arrête à un moment où ça ressemble plus à rien et les gens se disent, ouais, c'est quand même dommage. J'ai bien aimé Gran Turismo, j'ai bien aimé Medieval. Et en Exactement. fait, les tours, tu sais, au début, j'avais commencé, comme plein de gens, à mettre dans des CD, des boîtes de CD audio, en fait, des jaquettes en photocopie noir et blanc, des jeux, avec le jeu à l'intérieur, PSA. Ouais. Et à un moment donné, j'ai fait, ah, ça prend de la place, c'est écrit à la main, tout ça, bon. Et j'ai commencé finalement à racheter quelques jeux à droite à gauche, d'occasion, hein, mais voilà, tu les prends d'occasion, tant pis. Et aujourd'hui, j'ai tous mes jeux gravés d'époque, il y en a peut-être une centaine de PS1, ils sont dans une tour en espèce de plastique, là, les grandes tours à 200, là, tu vois. Et ils sont là-dedans, en fait, ils n'ont pas bougé, il y en a même que j'ai même pas utilisé depuis des années, tu les ressors, ils sont légèrement collés avec le froid, Et mais pas et ça se touchés. perd aussi, c'est l'aluminium là qui est au-dessus, là, ça se perd. Ouais, ça se perd. Et Alors, ça abîme. ouais, mais tu sais, il y avait un. Alors, nous, voilà, on a comme tout le monde, on a fait des copies à un moment donné. Mais il y avait des CD à l'époque qui vendaient moins cher pour graver. Je sais pas si tu as connu les CD Kodak, par exemple, qui étaient spécialisés pour faire mettre des L'impression photos. au-dessus. Voilà, l'impression Kodak, en fait, c'était pour mettre simplement des photos et lire des datas. Mais pas que ça tourne pendant 10 ans dans la console et que ça tourne à fond et que ça chauffe et que ça relise et tout ça. Et le CD, Exactement. au bout de 2 ans, les Kodak, ils se désagrégeaient. Le papier qu'il y avait dessus, l'écriture, l'imprimé, se barrait. Verbatim aussi, hein. Tu sais, Ouais. verbatim, ça fait pareil aussi après. C'était pas De toute fait façon, pour. les CD qu'on gravait à la fin, ils servent à rien. Ouais. Alors que ça, ces CD-là, ils continuent. Ouais. Et tu sais, nous on a une théorie en fait, parce que les CD Saturn, ils sont en piteux état pour la plupart. Et Sony, en fait, ils ont fait par hasard cette histoire de double couche avec la couche noire, tu sais, Ouais, soi-disant noir, ouais. protection, mais je crois que cette protection noire, double couche, a protégé l'usure avec le temps, tu vois, de la C'est vrai. surface. J'ai C'est vrai. l'impression. Mais C'est vrai, c'est vrai. t'as des jeux Saturn un peu, t'en as des Ouais, Saturn, pardon, j'en ai. les grandes Bah, j'ai boîtes surtout tous. les jeux de flipper. Je mets bien les jeux de flipper, donc j'ai Ouais. gardé tous les jeux de flipper. Ouais. Et il y a même des collectionneurs, ils conseillent de mettre les jeux Saturn, écoute bien, tu vas rigoler, à l'envers, à plat, à l'envers. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, écoute, je sais pas si tu devines ou pas, c'est que la notice Saturn pâle est tellement énorme et tellement lourde qu'elle écrase le CD dans la boîte et elle le fait gondoler. Je te promets que Ah, c'est vrai. C'est parce que les gens, ils entassaient leurs jeux comme ça, c'est à vrai, c'est vrai. droite. Il faut les mettre à l'envers, en fait, dans l'autre sens. Non, C'est. bah sinon tu les mets comme ça. Au lieu de les Oui. mettre comme ça, tu Ouais. les mets comme ça. Ouais, voilà, tu les mets comme ça quand t'as une grande maison, tu vois. Mais bon, il y a des gens, ils ont des placards et ils ont des femmes et qui ils veulent pas voir les jeux, malheureusement, tu vois. Mais tu vois, pour retourner à ton magasin, par exemple, toi, c'est quoi les titres phares que t'as vendu le plus, par exemple, en 94, 95, toutes plateformes confondues par année, tu t'en souviens des titres, vraiment, c'est tout le monde voulait ça, tu vois. Alors les gros, bah de toute façon tous les FIFA, tous les PES, Ouais. ça c'était vraiment les très gros jeux vendus. Ensuite le GTA, je me souviens que j'en avais acheté 10 Ouais. sur Play 1. Ça se Ouais. vendait pas jusqu'à que un jour ils en parlent à TF1 comme Ouais. quoi il y avait un enfant qui Ouais. jouait et son père était flic, il dit regarde papa, regarde, je suis en train de te tuer, je suis en train de te tuer. Et le mec il a porté plainte Ouais. et donc c'est passé au journal et à partir de ce moment-là, on en avait vendu 2 sur les 10. Ouais. À partir de ce moment-là, tout s'est vendu. On a dû en racheter, en racheter, en racheter, en racheter pour boire. Voilà quoi. Ouais. Je me souviens de cette anecdote-là. Sinon, oui, il bah, y avait bah, tous les jeux qu'on connaît. Hein, Castlevania, ça se vendait à fond. Ouais. Megaman, les Bomberman aussi, parce que moi j'étais à Ouais. fond en train de booster les gens pour qu'ils achètent Bomberman parce que j'adorais ça. Ouais. Et les Mario. Tout ce qui est Mario, tout ce qui est Nintendo, on va dire, Ouais. la marque Nintendo, Ouais. les Donkey Kong, tout Ouais. ça se vendait, mais grave. Ouais. Ouais.
Et les... Ça, c'était vraiment les gros jeux, quoi. Et t'as connu en 93, enfin t'as connu, c'est Zelda, sûr, tout ça. Ouais. l'importation, tu vois, de DBZ, Butoden 2, Super Famicom, le fameux jeu que tout le monde voulait et a fait la queue dehors pour Ouais. avoir. T'as réussi à le Ouais. vendre comme il fallait ou t'en avais pas assez ou... Bah, c'est. Alors, j'ai réussi à le vendre quand même, il fallait. En général, les jeux, on arrivait Ouais. à les voir, à les avoir, ouais. Ouais. Ce qu'on avait de gros problèmes à avoir, c'était surtout les consoles. D'accord. Ah, les consoles, on avait énormément de problèmes. Mais au niveau des jeux, ça allait, quoi. Ça allait, on arrivait à avoir, quoi. C'est. Comme je t'avais expliqué, tu te souviens, le Final Fight 2, là? Je sais pas si toi, Ouais, tu l'as mis dans la première entrevue. Voilà. si. Donc, ça, on arrivait. Au niveau des jeux, on arrivait à les avoir. Il n'y avait pas de problème. Là où on avait du mal, c'est surtout les consoles. Les consoles, ça bloquait, ça bloquait, ça bloquait à tous les niveaux, quoi. Mais je me souviens, nous, de coursiers, en fait, qui venaient de Roissy avec les jeux dans le sac à dos et qui ramenaient ça de la douane le soir même à 17h30 sur République. Vrai. Et tu vois, des coups de fil qui se passaient avec les autour de... Mais même pas les courtiers, carrément nos propres vendeurs, nos propres C'est personnes ça, qu'on c'est ça, envoyait c'est là-bas, ça. ils géraient et après ils venaient comme ça au courant. Je les ai, c'est bon, on arrive. Et des fois, les gens, ils Il y attendaient. avait les clients qui attendaient, il y avait les clients qui attendaient qu'on arrive, enfin que la personne arrive, et dès qu'elle arrivait, ça faisait allez hop, et on avait déjà fait les ventes. Je me souviens, on avait déjà fait les ventes, et les personnes venaient avec le ticket, ils nous montraient le ticket, hop, on prenait, on déchirait le ticket pour qu'on soit sûr que le mec, Oui, il il l'utilise pas deux fois. redemande pas. Voilà. Et donc, automatiquement, on refilait, on refilait, on refilait, on refilait comme ça, quoi. Et toutes les ventes avaient déjà été faites avant qu'il arrive. Non, mais ça, c'était un truc de fou parce que la sortie en import, imagine, il n'y aurait pas eu l'import. Est-ce que vous auriez fait autant de ventes avec du PAL? Quoi qu'il arrive, en cartouche ou en CD, tu vois? Alors moi je croyais à fond dans l'import. Hein. Je croyais à fond dans l'import parce que l'import, c'est simple, c'est les mecs spécialisés. C'est pas la personne lambda. Donc les personnes spécialisées, ils voulaient vraiment l'import, ils voulaient le jeu avant tout le monde. Ils savaient qu'il allait sortir. Ils étaient vachement renseignés. C'était les pros, ce qu'on appelle les pros. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de pros. Hein. C'est de la nouvelle génération, je parle. Hein. Là, à l'époque, nous, on était vraiment des pros. On savait quand le jeu arrivait, voilà, quoi, au niveau acheteur, hein, je parle. Et donc, ça, cette âme dans le jeu vidéo, c'est vrai que ça s'est un peu perdu quand même. Ouais, ça s'est Au perdu. niveau de la masse, hein, je parle de la masse. Bien sûr, il y a bien sûr quelques irréductibles, peut-être, voilà, des gens qui sont à fond comme ce que tu m'avais dit avec les jeux Néo, où le mec avait 26, 27 ans. Mais il y en a très, très peu comme ça. En général, la masse, ce que toi, moi et les autres, la masse, c'était de l'époque. À l'époque, on était vraiment en jeu vidéo. Je me souviens qu'au tout début, les Carrefour et compagnie, là, ils avaient commencé à vendre des jeux Master System et des jeux NES. Et après, ils ont vu que ça marchait pas. Donc, ils ont fermé, ils ont plus fait après Super Nintendo. Et Super Nintendo, nous, on l'a fait. Donc, en fin de compte, les magasins spécialisés, on a remis en avant tout ce qui était Super Nintendo, Super Famicom, de nouveau, et Mega Drive. Et ils nous l'ont remercié en nous abandonnant pour de nouveau Carrefour quand la Play 1 est sortie. Mais tu Play 1, sais. c'était Sony. Donc Sony, ils vendaient déjà, ils avaient déjà toute la distribution de Carrefour et tout ça. Et c'est Sony qui a ouvert ce marché-là de Carrefour et compagnie. Et maintenant, ils s'en bougent les doigts. Hein. Mais moi, ce que tu vois, avec le regard de gamin, quand on allait par exemple au BHV de Créteil-Soleil ou également, qu'est-ce qu'on avait comme autre magasin? Il y avait des Conforama qui vendaient des jeux aussi. C'est dingue, hein, un magasin de meubles. Ils avaient tout ce qui était Atari, Amiga, Master System. C'était sous vitrine, impossible de voir derrière la jaquette. On voyait que la jaquette de face. Et en Bah, fait, tu ce vois, game d'outils, c'était sous vitrine. Hein. Mais c'était on était là pour ouvrir la vitrine à Oui, hein, tout le monde. voilà. Mais Voilà. t'imagines, t'as 11, 12, 13 ans, tu vois un jeu Game Boy, tu vois que la jaquette de face. Il y avait des jeux NES à vendre chez Darty à Créteil. Créteil Soleil, nous on avait de la chance. Il y avait La Récré, il y avait Micromania, il y avait. C'était Jouet Club ou La Récré, je sais plus. Il y avait le BHV. Le BHV, c'était un truc de fou. Hein. Le BHV, t'y allais à Noël. Il y avait des trucs quand t'étais gamin. Je veux dire, il y avait tous les jeux qui sortaient en PAL et que tu trouvais pas ni dans les supermarchés Carrefour, ni Continent.
Continent, je me souviens, la GX 4000, il l'avait mise en rayon quand elle est sortie sur un pauvre stand comme ça. C'était jamais mis en valeur. T'avais pas forcément envie de. Et les jeux en vitrine, pas Là, il n'y avait accessibles. personne pour conseiller non plus. Personne, Tu allais personne. là-bas, tu regardais et tu te fiais. Ou bien tu savais parce que tu lisais Console Plus. Mais ceux qui lisaient Console Plus et Joypad et tout ça, en général, eux, ils allaient dans les magasins spécialisés. Mais les gens qui n'achetaient pas Console Plus, qui n'achetaient rien, ils allaient là-bas dans un Carrefour, ils regardaient les jaquettes Carrefour. Bah, celle-ci, j'aime bien, elle est jolie. Ou celle-ci, il y a un ami à moi qui m'a dit qu'il était bien ce jeu-là. Et donc, c'était un petit peu le bouche à oreille. Et la couleur de la jaquette, quoi. Donc, Ah, c'est voilà. ça. Parce C'était à que base de ça. Mais par contre, enfin, heureusement, par chance, on avait beaucoup de clients spécialisés. Et ces clients spécialisés, comme toi et comme d'autres, vous alliez dans les boutiques spécialisées. Il était hors de question d'aller dans un Carrefour. Donc, voilà. Donc là-dessus, ça, c'était l'avantage. Mais l'inconvénient, c'est par exemple, lorsqu'on fait des achats comme la Play ou comme la GameCube, et que c'est des achats que d'autres personnes t'ont fait, et ben ces autres personnes-là qui étaient des personnes plus âgées, eux, ce qu'ils faisaient, c'est ils allaient directement à Carrefour les acheter, quoi. Et puis sincèrement, en fait, il n'y avait pas ce marché d'échange que vous aviez créé, il n'y avait pas de relation clientèle dans les grandes surfaces, il n'y avait rien. Il y a juste une année, moi je me souviens, il y avait un vendeur qui s'y connaissait un peu. Écoute, on était ça je te parle de ça, c'est j'étais vraiment moins de 12 ans. Il y avait l'Atari XL en vente à Carrefour ou à Continent dans un espèce de bac pour Noël, tu vois, il y avait plein d'ordinateurs, tout ça. Le vendeur, il nous a dit surtout achetez pas ça, achetez pas ça, c'est fini l'Atari XL, achetez pas ça. Et il dit si vous cherchez un ordinateur, allez plutôt voilà acheter un Atari ST ou un Commodore 64 qui Tu marche encore. parles de l'Atari 800XL. XL, ouais. Ouais. 800XL. Je l'ai acheté. C'était comme l'Atari ST, mais moins bien. Il y avait tout, Ouais, hein, mais tu sais l'imprimante, machin. il y en avait un qui était génial, c'était le jeu de combat là. Double dragon, double On dragon. voyait même les cheveux bouger et tout là. Alors là, je pourrais pas dire, mais ils ont fait plein de titres qui existaient déjà sur les ordinateurs d'époque. Hein. Il y avait plein. C'est vrai. Mais bon, c'était la fin. Donc c'est à partir de ce moment-là, en fait, le vendeur il nous a plutôt bien conseillé et tout. Mais moi, je me souviendrai toujours d'un truc. Écoute, on va chez Conforama acheter le Commodore 64 parce que par rapport à l'argent que j'avais, moi, je pouvais pas acheter un Amiga. On va au dépôt derrière. Alors, je sais pas si vous, ça vous est arrivé de faire des conneries. Et tu la vois venir ou Vas-y. pas? Le mec du dépôt, il voit Commodore sur la facture. Qu'est-ce qu'il fait? Il va derrière, au fond de l'entrepôt Conforama. Il nous ramène un Amiga 500 à la place du Commodore 64. Mon père, il dit, non, non, c'est pas ça qu'on a acheté. Là. Bah après, je pense qu'il nous aurait rappelé, il y avait le numéro de téléphone, mais. Et un ordinateur à 3000 francs, on avait acheté un ordinateur à 700 francs ou 800 francs, peut-être avec l'aide sur 500.